Comme vous avez eu à le constater hier, il y avait une forte mobilisation policière à travers la ville de N'Djamena. Et beaucoup de nos concitoyens sont interrogés sur le mobile de cette mobilisation. C'était une opération qui vise à rappeler les engins sans plaque minéralogique, les usagers qui font le transport en Amazon et également les véhicules à vitres fumées. Vous êtes sans ignorer que les actes de braquage, de vol et d'enlèvement qui se passent dans la ville de N'Djamena se font pour la plupart avec des engins non immatriculés, c'est-à-dire sans plaque minéralogique, et parfois c'est des véhicules à vitres fumées. Rien que pour la journée d'hier, la police a eu à arrêter 306 motocyclettes sans plaque minéralogique, 342 motos avec des fausses plaques, c'est-à-dire des motos où les propriétaires ne détiennent pas des pièces afférentes, mais qui ont des plaques, 6 véhicules sans plaques, 37 véhicules à vitres fumées non autorisées. J'ai dit vitres fumées non autorisées parce que nous avons des exceptions pour les diplomates ainsi que pour les hautes personnalités. Pour ce faire, nous invitons la population à la collaboration car il y va de sa sécurité.